Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le mardi 20 avril 2021. J'espère que vous allez bien. Chers amateurs de civilisation extraterrestre d'ovnis, de phénomènes aériens non identifiés, j'ai euh, une nouvelle toute fraîche à vous partager et ça concerne un événement qui s'est produit en, en, euh, à Hawaï, aux États-Unis, le 29 décembre 2020, quand des gens euh, ont vu d'innombrables. Euh, une, une femme hein, et, et d'innombrables autres résidents remarquaient une étrange lumière bleue qui planait au-dessus de leur maison à Oahu le 29 décembre 2020. <laughs> la personne en question avait affirmé que l'objet avait finalement disparu dans la mer. Vous vous rappelez de ça, cette histoire-là, vaguement, j'espère J'imagine plutôt Avant qu'une seconde lumière blanche n'apparaisse et euh, ait suivi un chemin similaire. Des images granuleuses du ciel nocturne montrent une lumière bleue qui traverse le ciel avant qu'elle ne sombre et tombe à l'horizon. Euh, la dame en question était tellement effrayée par ce qu'elle a vu euh, qu'elle a appelé le 911, mais lorsque la police est arrivée, elle aurait également été incapable de l'expliquer. L'OVNI bleu mystérieux filmé par la dame en question, hein, euh, vous allez pouvoir le voir dans l'article que je vais vous laisser, le lien dans la boîte de description. Ils ont ensuite contacté la Federal Aviation Administration des États-Unis pour déterminer si l'un de leurs avions était dans le ciel à ce moment-là. Euh, John Greenwald, qui dirige le site d'enquête de Black euh, Vault, a envoyé une demande d'accès à l'information sur euh, cet incident-là. Il a reçu leur réponse le 12 avril. Il était clair dans les documents qu'ils sont toujours incapables de décrire l'objet euh, en question. Donc c'est vraiment euh, fascinant. Il y a de plus en plus de ces événements-là hein, qui sont rapportés. Et euh, dans le rapport, d'événements obligatoires de la circulation aérienne, l'organisation dit qu'il n'y a pas eu de formation active dans la région à ce moment-là et qu'il n'était pas possible qu'un pilote ait dévié de sa trajectoire. Donc, ça ne peut pas être un avion que la dame a vu. Un bref résumé se lit comme suit le service de police d'Ondouluu a appelé pour demander s'il nous manquait un avion. Quelqu'un de Nana Kouli les a appelés et leur a dit qu'il y avait un possible. Assez ah, tombé à 300 mètres au large. J'ai vérifié avec le contrôleur lâche et nous ne manque aucun euh, avion finalement. L'incapacité, ruche de spéculation. Naturellement, certains disent qu'ils n'étaient pas surpris hein, qu'on ait été incapable de, de euh, déterminer ce que c'était. Hein, donc. Euh... Certains ont dit qu'ils n'étaient pas surpris que la FAA n'ait pas, pas été en mesure d'expliquer de, euh, ce qu'était l'objet, car la vidéo était très étrange, mais beaucoup d'autres suggèrent qu'il s'agissait simplement d'un cerf-volant à lumière LED. J'ai euh, vu beaucoup de comparaisons de cerf-volant à LED et cela ressemble, en, en ressemble vraiment à un, ajoutez l'un d'eux. Suggère que c'était un ballon chinois en feu qui a, a été accidentellement accroché par un petit drone commercial. Donc, il n'y aurait pas de mystère. Euh... Sur, donc, difficile à expliquer, dont on n'a pas vraiment de réponse hein, de cette euh, histoire étrange d'un objet qui a été filmé dans le ciel. Vous allez voir les images, je vous laisse ça dans la boîte de description. Et l'autorité de l'aviation est incapable d'identifier et de nous dire ce que c'était malgré une demande hein, à l'accès d'informations euh, qui a été faite par Black Vault. Donc, encore un autre mystère qui demeure. Les histoires de cerfs-volants et tout ça, bon, ça peut... Vous pouvez juger par vous-même de la solidité de ces euh, explications-là. Mais pour le reste, il y a beaucoup, beaucoup de ces euh, événements-là qui demeurent inexpliqués. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça des ovnis ou des phénomènes aériens non expliqués, et on aura peut-être de plus en plus de réponses. Vers le mois de juin, croisons-nous les doigts.